Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que le piano fonctionne. Salut Philippe, merci beaucoup pour ce don, j'apprécie beaucoup, merci. Ob Israël, bonsoir. Bonsoir à Old Jazz. 1-1-ASG, un nouveau probablement. Bonsoir. Salut Fabrice. Bonsoir Olivier. Bonsoir Thomas. Bienvenue sur ce nouveau live. Nicolas, salut Lydia. Bienvenue également. Eh bien oui, ton assiduité, on l'apprécie puisque étant donné que tu es là donc pratiquement chaque semaine, bravo. Arnaud, The Messia, bonsoir aussi. Adito 4. Que je connais. Uré, dit bon, c'est un nom un petit peu compliqué là. Bonsoir, le son est nickel, donc tout ça va. Ça va Jean-Marie, bonsoir Samuel, salut Damien, bienvenue JP HDS. Stéphane Grima également et Hélène, bonsoir, bienvenue. Jean-Yves, salut également. Anne, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live. Donc j'espère que vous êtes tous bien. Que vous m'entendez bien. Et salut Glody également, que je connais, que j'ai déjà vu plusieurs fois sur ce live. Léo également, bonsoir. Bienvenue, GRMD également. Nouveau peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vu ce pseudo dans les lives précédents, mais peut-être que je n'ai pas tout en mémoire. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau live aujourd'hui, mardi, donc 2 février. On est assez nombreux, donc vous savez que ce soir, donc c'est un live libre, hein, puisque je vous laisse un petit peu la parole. Et donc c'est vous qui allez évidemment poser la question, les questions. Je rappelle simplement aux nouveaux hein, qui nous rejoignent ce soir que tous les précédents lives sont stockés sur la chaîne donc Music Classroom. Sous l'onglet playlist, hein, Music Classroom Live, vous allez donc pouvoir les revisionner à volonté, donc autant de fois que vous le voulez, pour voir un petit peu et revoir en tout cas tous les sujets musicaux qu'on a traités évidemment dans le passé. Salut Rémi, bienvenue, bonsoir également. Rémi que je connais par les échanges de mails probablement. Donc voilà, on va attendre un tout petit peu. Je rappelle aussi à ceux qui nous rejoignent ce soir que d'habitude nous faisons un petit cours, hein, donc dans la première demi-heure en gros, et puis qu'ensuite toutes les questions. Mais ce soir c'est un petit peu spécial puisque je vous laisse un petit peu libre recours à vos questions et aux sujets que vous voulez donc développer. Salut Samira, bonsoir Myriam également. Ob Israël, bienvenue. C'est quel genre de musique de l'intro elle m'inspire? Eh bien, c'est une musique qui est issue de mon album de musique de film, hein, donc que j'ai créé, donc composé, orchestré. Et donc, ça regroupe un petit peu tous les thèmes. L'album s'appelle The Following Morning. Vous pouvez le retrouver évidemment sur la chaîne, sur le shop qui s'affiche en bas dans le menu déroulant, hein, shop.musicclassroom.com, où vous trouverez également toutes sortes de formations, de partitions, de méthodes, d'exercices, etc. relatif à tous les tutos que je mets donc sur la chaîne YouTube, tutos et vidéos. Donc voilà. Wilson, salut, bienvenue, bienvenue. Manade 44, salut à tous et au chef d'orchestre. Ah, chef d'orchestre, ah, c'est mon rêve, chef d'orchestre. Alors, j'ai fait des études de direction d'orchestre, mais je n'ai pas été chef d'orchestre. Je voulais être compositeur, arrangeur, donc je l'ai été. Fanekana Alima, bonsoir, salut à toi. Nicolas également. Le modèle de pianomètre que tu utilises sur tes vidéos live YouTube. Alors sur les lives, je crois que c'est un Yamaha, hein, un motif ES8. C'est un ancien modèle, je crois, qui ne se fait plus, qui a été remplacé par, je pense, un autre modèle, mais qui est très très bien. Bon son, il y a de très bons sons à l'intérieur. C'est une station de travail où tu peux enregistrer, etc., avec des effets, enfin tout. Tout pour mixer ta propre musique, mais en fait, j'utilise jamais, assez rarement, donc les fonctionnalités de ce clavier. Je travaille plutôt sur l'ordinateur directement. Hein, voilà. Alain, salut également. Hélène, toujours impatiente de suivre le live chaque mardi. Ben, bienvenue à nouveau, Hélène. Hein, je crois que ce soir, je vais vous laisser donc la parole. Et on peut peut-être. Salut Kafa, bienvenue. Bienvenue Samuel également.
Donc le sujet, comme je le dis, Samuel est libre ce soir. Hein. C'est vous qui posez les questions et c'est vous qui choisissez donc tous les sujets hein, que vous voulez donc aborder. Et si je peux, j'y répondrai bien sûr. Donc étant donné que vous êtes nombreux, essayez donc d'aller doucement au niveau des questions. Laissez-moi le temps de répondre à ceux qui les posent. Voilà, Fabrice, bonsoir. Tu nous dis de jouer une demi-heure tous les jours au minimum. Mais quels exercices et quelles méthodes tu conseilles? D'accord, alors une demi-heure, 30 minutes. Tu fais référence probablement à un tutoriel hein, que j'avais mis en ligne il y a quelque temps et qui dit qu'on peut effectivement à une demi-heure par jour, à 30 minutes par jour, on peut, en combinant par exemple des exercices de chauffe, de la mécanique, ensuite, jouant des exercices un petit peu plus musicaux, j'avais, je crois, pris un exemple qui était les exemples de Czerny, où effectivement on travaille dans chaque petit morceau, donc une technique particulière, mais avec peut-être un peu plus de musique et de musicalité. Et puis ensuite aborder effectivement un morceau à part entière, soit en classique, un morceau du répertoire, ou bien en jazz aussi, en jouant des standards du répertoire. Voilà, donc c'est ce que je conseillais en fait de diviser ça en trois parties. Et alors ce qui compte, je dois le dire quand même Fabrice, c'est pas tellement évidemment de la demi-heure par jour, mais c'est surtout la régularité, hein. Plus vous touchez votre clavier, plus vous touchez votre instrument, si vous n'êtes pas pianiste, et plus c'est profitable évidemment, parce que c'est cette régularité qui fait que petit à petit il y a des choses qui s'automatisent, hein, qui vont s'automatiser, donc une mécanique en fait qui va se mettre en place. Et ça c'est important cette régularité, bien plus que la quantité. Obisraël, Yves, une musique à trois temps signifie-t-elle qu'on a affaire à une musique à trois temps? Donc il fallait que le 3-4 appartienne à la famille des métriques composées. Alors non, deux choses. Une musique à trois temps, évidemment, à 3-4, c'est du trois temps, d'accord? Mais il ne faut pas confondre la mesure et les temps. La mesure à trois temps est une mesure ternaire. Mais dans la mesure à 3-4, les temps sont binaires, d'accord? Donc il ne faut pas confondre la mesure, binaire-ternaire. Par exemple, 2-4 est une mesure binaire, 4-4 est une mesure binaire, 3-4 est une mesure ternaire, 6-4 également. Mais il ne faut pas confondre avec évidemment les temps à l'intérieur de ces mesures. Les temps peuvent être binaires, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2 réguliers, ou ternaires, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, d'accord? Voilà. Donc deux choses, les mesures et les temps, c'est deux choses différentes. Les deux peuvent être binaires ou ternaires. BSN 85, bonsoir Yves, merci pour ce rendez-vous, je t'en prie, bienvenue à nouveau BSN. Patrick Rago, bonsoir également. Guillaume Didier, bonsoir à tout le monde également. Nicolas, que penses-tu du livre de Jacques Siron, La partition intérieure, musiques improvisées? Très bon, c'est très très bon. Donc Jacques Siron, c'est un saint musicien assez remarquable. Donc je le conseille aussi, c'est vraiment une très très bonne méthode, la partition intérieure. On aborde, disons, la musique et le jazz en particulier d'une façon un petit peu plus originale. Mais voilà, oui, c'est très très bien, c'est une très bonne méthode également. Rémi, as-tu transcrit sur une partition ton improvisation de Autumn Leaves que je retrouve remarquable et digne de Bill? Ah non, je ne l'ai pas fait parce que c'est quelque chose que je joue spontanément. Et comme je le joue effectivement sur un piano acoustique, donc je ne peux pas avoir la retranscription totale. Et si je devais le relever à la main, ça prendrait énormément de temps. Donc je préfère effectivement jouer et faire écouter que de la retranscrire. Mais ça serait une idée, hein? Ça serait une idée, Rémi. On pourrait effectivement donc retranscrire les solos, les impros. Alors c'est juste une question de temps, hein, Rémi. Je serais en mesure de le faire. Mais voilà, j'ai très peu de temps entre les vidéos, les cours, etc. Il y a beaucoup, voilà, la semaine est très très chargée. Les vidéos prenant évidemment beaucoup de temps, non seulement en tournage, mais en montage également, hein, donc tu t'en doutes. Rastaban, salut, bienvenue également. Samira, pourrais-tu expliquer à quoi sert le coma et qu'est-ce que ça donne en pratique? D'accord. Alors, le coma, tu sais, ça concerne les tons et les demi-tons. Bon, tu sais que de do à ré, ici, il y a un ton, de do à do dièse, un demi, et de do dièse à ré, ici, un autre demi-ton. Donc, deux demi-tons pour faire un ton. Le problème, c'est que les demi-tons qui sont de do à do dièse ici, porte le même nom, do dièse. Donc on appelle ça un demi-ton chromatique. Et de do dièse à ré,
donc qui portent deux noms différents, hein, Do et Ré, à ce moment-là, on appelle ça un demi-ton diatonique. Alors, le problème, c'est qu'un demi-ton chromatique n'a pas la même taille qu'un demi-ton diatonique. Alors, un ton, donc, qui est composé d'un demi-ton chromatique plus un demi-ton diatonique, peut être divisé en 9 parties égales. Bien sûr qu'on n'entend pas toujours, évidemment, à l'oreille, mais ce qu'on appelle donc des comas. Donc, un ton de Do à Ré, il y a 9 comas. Et il se trouve que le demi-ton Do dièse le plus petit fait 4 comas, alors que le demi-ton diatonique Do dièse Ré, ici, fait 5 comas. 5 plus 4 égale 9. Donc tu vois, pour faire un ton, il faut exactement un demi-ton diatonique plus un demi-ton chromatique, c'est-à-dire 4 comas plus 5 comas, donc 9 comas pour réaliser un ton. Voilà, Samira, j'espère que j'ai répondu à ta question. Salut Abel, bienvenue, bienvenue. Jane également, bonsoir. Comment réharmoniser un morceau à partir de la substitution tritonique? Quelles sont les autres possibilités? Alors, Jane, la substitution du triton, j'en ai fait un tuto, donc tu l'as certainement vu. La substitution du triton, c'est essayer d'avoir donc des accords, remplacer un accord par un autre accord placé trois tons au-dessus, 1, 2 et 3 ici. Donc, si j'ai un Do 7, je peux le remplacer par Fa dièse 7. C'est exactement la même fonction. Pourquoi ? En Do 7, j'ai Do, Mi, Sol, Si bémol. Donc, mes deux notes essentielles sont Mi et Si bémol. Do étant la basse. Mais si je passe en Fa dièse, c'est l'inverse. Le Mi sera la septième et le Si bémol ou le La dièse sera la tierce. Donc voilà, on a exactement Do et Fa dièse qui sont des substitutions du triton l'un et l'autre. Voilà. Donc on peut évidemment réharmoniser une mélodie par ce système. Mais il y a beaucoup d'autres types de substitutions. Et je prépare, je pense, pour vendredi, donc un cours sur ces substitutions avec notamment les accords de passage et toutes les approches qu'on peut faire, tous les accords qu'on peut insérer dans une grille d'origine justement pour l'enrichir, hein, et puis donner au thème en même temps une autre couleur. Alors je pense que ça sera vendredi, le tuto que je vais mettre en ligne vendredi, mais je n'en suis pas encore sûr. Samuel, comment je peux jouer avec divers accords et comment gérer le temps de l'évangile? Alors là, je ne sais pas, ça c'est ton temps... C'est ton temps personnel, Samuel, hein, je ne peux pas y répondre. Hein. Fanekana Alina, qu'est-ce que tu penses des exercices Anon? Alors, on m'a posé beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de tergiversations au niveau de la méthode Anon. La méthode Anon, c'est du mécanisme et il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire que ça peut être très bon pour la mécanique des doigts à toutes les vitesses. Je l'ai dit des fois dans mes lives précédents que... bien que ça soit assez décrié cette méthode, moi je dis que ça peut être très bon aussi à condition qu'on le prend comme tel, c'est-à-dire juste de la mécanique, de la chauffe, etc. Et ça peut être intéressant. Seulement le seul problème c'est que la méthode Anon est écrite tout en Do et qu'à mon avis tout ce que vous faites, c'est-à-dire tous les exercices que vous faites sur le Anon devraient être transposés sur les 12 demi-tons, d'accord, et non pas seulement en Do majeur, voilà. Et là, ça devient efficace parce que ça vous permet de maîtriser toutes les tonalités. Désolé pour les messages qui ont passé, reposez-les. Hein. Léo, pourrais-tu m'expliquer, s'il te plaît, comment jouer correctement les appoggiatures longues et courtes? De plus, faut-il jouer l'accord main gauche sur l'appoggiature ou sur la note qui suit? Ouais, je comprends ta question. Alors, les appoggiatures, elles peuvent être longues, par exemple... Voilà. Tu vois, le Ré Do est une appoggiature longue de cette façon. Et puis, il y a les petites appoggiatures, hein, ce qu'on appelle les petits ornements, comme ça, par exemple. Voilà, les petites appoggiatures comme ça, les petits glissés, hein, c'est ces petites croches qu'on voit barrées, hein, en miniature là, avant les notes. Alors en général, les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut jouer l'appoggiature avec l'accord, comme ça, ou voilà, comme ça, Ré, Do, d'accord? Donc avec la note réelle, on peut jouer l'accord. Les deux sont possibles, tout dépend du contexte. Jean-Marie, je te remercie beaucoup pour tes conseils car je reprends mon répertoire possédant maintenant un piano droit acoustique. C'est une bonne chose que tu puisses jouer sur un piano acoustique. Je le recommande toujours dans la mesure évidemment de vos moyens et de vos possibilités. La dynamique est différente de mon piano numérique et beaucoup plus agréable. Effectivement, on a sur un piano acoustique un éventail de dynamiques
qui est un piano numérique qui est basé sur des échantillons qui se déclenchent, je veux dire, à la fin, ne peut pas atteindre, c'est-à-dire ne peut pas rivaliser. Jamais aucun piano acoustique, numérique, pardon, peut rivaliser avec un vrai piano en termes de toucher, en termes de vibration, etc. Hein. Voilà, donc ça, évidemment, si vous pouvez avoir travaillé en tout cas sur un piano donc acoustique, ça serait l'idéal et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire si on veut vraiment travailler, enfin, ses doigts, la force de ses doigts, si on veut travailler sa technique en gros. Hein. Richard, salut, bonsoir. Abel, je crois que ces tutos-là vont nous faire beaucoup de bien. Ah, tu parles du tuto sur les accords de passage, oui, c'est-à-dire que c'est en gros c'est sur la substitution, la réharmonisation et l'insertion de nouveaux accords dans une grille originale. Hein, d'accord? Obisraël, Yves, comment est-ce qu'on appelle la famille des figures surmontées de tils, appoggiatures et les autres? La famille, ben, ce sont des ornements. Hein, ce sont des ornements simplement, les trilles, les appoggiatures, etc., les mordants. Voilà, tout ça, ce sont des petits ornements qui ont fait les beaux jours de la musique du XVIIe siècle, la musique de clavecin, hein, où évidemment il n'y avait pas de pédale sustain hein, dans les clavecins. Donc à ce moment-là, donc on tenait le son justement en ajoutant dans la musique une musique très ornementale, beaucoup, beaucoup d'ornementation autour des notes réelles. Thomas, Yves, je travaille la grille d'accords de Supertramp Goodbye Stranger. Je suis tombé sur le marquant suivant. A bémol, une demi-barre, oui. À quoi un demi-barre? Alors ça, je ne sais pas, c'est une notation un petit peu endémique, là. Hein. Alors, je ne sais pas, une demi-barre, ça veut dire que le la bémol, l'accord de la bémol, en tout cas, va durer la moitié d'une mesure. Voilà, demi-barre. Barre, c'est la mesure. Hein. Donc, si c'est une mesure à quatre temps, par exemple, ton la bémol va durer deux temps, c'est-à-dire la moitié donc d'une mesure à quatre temps. Hein. Léo, salut, bienvenue. Jean-Yves, j'aimerais bien connaître sur quel séquenceur tu travailles et où trouver de bonnes banques de sons. Peut-être un tuto là-dessous. Ah oui, alors effectivement, oui, j'ai pensé à faire un tuto en général sur le matériel Home Studio, comment créer son Home Studio, effectivement. Ben moi, je travaille sur des séquenceurs comme Cubase, etc. Et puis, au niveau des sons, alors il y a beaucoup de banques de sons, il y en a qui sont de très très grande qualité, ça dépend si tu recherches des sons symphoniques, etc. Donc, il y a des collections, évidemment, il y en a beaucoup. Et bon, je ne vais pas toutes les nommer ici parce qu'il y en a énormément aujourd'hui. Simplement, si c'est le haut de gamme, bon, ce sont des collections qui coûtent assez cher, hein, des banques de sons donc assez chères, assez gourmandes aussi, hein, en espace, hein, en espace disque. Donc voilà, et puis il faut avoir aussi un ordi qui corresponde un petit peu à cette puissance, qui puisse évidemment, comment dire, avoir tout un tas d'instruments qui sont assez gourmands, donc en RAM hein, et en disque dur, pour pouvoir justement faire un arrangement, par exemple, avec plusieurs instruments, voire un orchestre symphonique, hein, ce que j'ai d'ailleurs tenté plusieurs fois. Et d'ailleurs, dans la musique de générique, voilà, j'ai travaillé effectivement sur ces banques de sons symphoniques. Mais voilà, avec un ordinateur qui demande une certaine puissance, hein, non seulement au niveau du CPU, mais également au niveau de la RAM, c'est-à-dire de la mémoire vive. Voilà, donc c'est plus tu vas dans la qualité des banques de sons, plus tu vas avoir besoin évidemment de mémoire et d'une puissance assez importante d'ordinateur. Blest Musella, d'où nous vient votre inspiration, d'où vous vient notre inspiration à l'improvisation? Alors depuis tout petit, hein, depuis tout petit, j'adore improviser. J'avais un professeur qui me donnait certains, disons, morceaux, mais moi je ne jouais pas les morceaux, j'improvisais parce que j'adorais improviser sur un clavier. Et donc ça a démarré comme ça en fait. Et ensuite donc j'ai dû effectivement, j'étais en demande en tout cas d'une méthode, d'une vraie méthode d'improvisation, de jazz entre autres évidemment. Et voilà, à ce moment-là, donc j'ai fait mes recherches et j'ai commencé à travailler l'improvisation avec de vraies méthodes, et notamment donc aux États-Unis, puisque c'est là-bas que j'ai été chercher évidemment les fondements de la pédagogie piano, jazz. Voilà. Philippe B, merci et bonsoir merci pour ton don.
Je suis aveugle depuis peu de temps. Peux-tu me donner des conseils? Oui, eh ben, tu sais, je crois que les personnes non-voyantes sont évidemment ont des facilités. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils vont développer évidemment la connaissance du clavier comme des voyants ne le feraient jamais. Donc évidemment, tu peux travailler beaucoup à l'oreille, c'est-à-dire en écoutant des choses et en essayant, Philippe, de les reproduire. Mais crois-moi, c'est aussi parfois un avantage au niveau du clavier parce que ça te permet de sentir plus les choses sous tes doigts et donc d'avoir une meilleure connaissance donc de ton clavier, des espaces en tout cas sur le clavier. Donc continue. Accroche-toi et tu verras qu'il y a aussi, tu vas avoir aussi certains avantages avec la pratique instrumentale. Abel, comment travailler les temps composés au piano et surtout dans le jazz? Alors, les mesures composées plus exactement, Abel, les mesures composées sont des mesures à temps ternaire, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1. Voilà, ça c'est du 1, 2, 3, c'est des temps ternaires, d'accord, qui font partie donc de mesures composées comme 6-8, 9-8, 12-8 par exemple, hein, où on a à chaque fois dans chaque temps trois croches par exemple, ou une noire pointée, hein, d'accord, ou six doubles croches, voilà. Donc ça, c'est les mesures. Alors dans le jazz, eh ben, c'était un petit peu automatique dans le swing, puisque le swing lui-même est ternaire, hein, d'accord. Quand on improvise. Voilà, ça c'est du ternaire. Donc tu vois, finalement, on est déjà dans des temps ternaires, avec le swing par exemple. Alors après, il y a un autre style de jazz qui est lui binaire, hein, on le retrouve notamment dans la musique latine jazz, dans le ragtime, les premières formes de jazz des années 20, tu vois, et puis aussi dans, par exemple, le jazz rock, hein, des années 70 qui lui est binaire. Ça, c'est du binaire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, d'accord? Voilà, donc ça, c'est l'autre forme. C'est l'autre forme, c'est-à-dire la forme binaire du jazz, hein, d'accord? Mais sinon, le swing est ternaire, donc il n'y a pas besoin de faire d'effort. Il suffit de faire du 1, 3, 1, 3, 1, d'accord? C'est-à-dire du swing, du shuffle. Et donc, tu retrouves le ternaire, donc le composé, comme dans une mesure composée, finalement, classique. New Things, bonsoir. J'ai pris l'habitude de ne pas regarder les touches de mon clavier quand je joue. C'est très bon. C'est très bon parce que, comme je le disais tout à l'heure à Philippe, ne pas regarder son clavier, ça permet de développer un autre sens. Et ce sens des espaces, ce sens de la connaissance, évidemment, de ton clavier par cœur. Et donc, ça, c'est très, très bien. Voilà. Je pense que c'est une très bonne habitude, en tout cas. Jean-Marie. Connais-tu le système silencieux Genio Premium Alpha pour piano acoustique? Non, non, je connais le système Yamaha, je pense, qui est très très développé. Je ne connaissais pas ce système-là. Je pense que tu veux peut-être l'installer sur ton piano, si tu as un piano acoustique, n'est-ce pas? Voilà, bon, c'est un avantage. Il faut faire attention parce que certains disent que ça peut altérer la qualité sonore de ton piano. Mais l'autre avantage, évidemment, c'est que tu peux jouer sur un vrai piano acoustique, donc et au casque, par exemple, à toute heure, hein, du jour et de la nuit. Adrien Canati, bonsoir. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ces méthodes que tu es allé chercher aux États-Unis sur l'improvisation? Eh bien, ça tombe bien, Adrien, puisque je suis en train de faire un tutoriel justement sur la méthode ou la bonne méthode ou la meilleure méthode justement pour maîtriser le piano jazz et tous ses composants. Donc ça va être un tutoriel qui va expliquer effectivement de A à Z, étape par étape, qu'est-ce qu'il faut travailler effectivement pour maîtriser un petit peu le piano jazz et tous ses composants avec les deux grands objectifs que sont évidemment l'accompagnement et l'improvisation. Mais en passant d'abord par les bases. Voilà. Donc je t'en parlerai. J'ai pas été chercher, si tu veux, l'improvisation aux États-Unis. J'ai été chercher surtout une pédagogie et des moyens de s'exprimer, parce que voilà, dans ces universités, tu as de gros moyens, disons, à ta disposition pour justement développer ton apprentissage, etc. Et ça, c'était évidemment une expérience unique.
BSN85, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas vu de tuto de ta part sur le cycle des quintes, un outil puissant qui me paraît pourtant essentiel. C'est essentiel évidemment dans la musique tonale, hein, c'est-à-dire dans la tonalité, hein, BSN85, mais j'en ai certainement parlé dans les premières vidéos qui parlaient donc de théorie musicale, probablement, et notamment dans les modulations ici, parce qu'on module souvent par cycle des quintes. Mais le cycle des quintes n'est pas le seul, évidemment, moyen de composer et surtout d'harmoniser. Hein, d'accord ? Il y en a d'autres, voilà. Donc, certainement, oui, j'en ai parlé, mais voilà, il y a plus de 200 vidéos sur le site, et je pense peut-être que tu ne l'as pas vu, mais oui, le cycle des quintes, j'en ai certainement parlé, soit au sujet des tonalités, soit au sujet même de l'harmonie négative, je pense, et puis aussi dans les premières vidéos, je pense, sur la théorie musicale, hein, les premières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, les plus anciennes. Enfin, tu pourrais regarder, essaie de rechercher ça, BSN, tu verras. Richard, prof, peux-tu nous parler de sixte dite allemande, italienne et française ? D'accord, on parle plutôt de sixte altérée, Richard, dans ce sens-là. Bon, comment utiliser ça ? Alors, Richard, on va prendre un tout petit moment. Voilà, alors, donc, par exemple, pour aller ici sur un cinquième degré, si je suis en Do majeur, cinquième degré, Sol majeur, ou Sol 7, dominante sol si ré fa, d'accord. Et pour approcher ce cinquième degré, cette dominante, hein, cet accord de septième de dominante sol si ré fa, eh bien on va approcher ça par le la qui est le sixième degré ici, ou le fa renversé, c'est-à-dire fa la do fa, qui va sur une quarte et sixte de cadence, dominante et tonique. Alors ce fa ici, voilà. Généralement, la do fa, qui est un quatrième degré renversé, hein, c'est fa la do fa. On va altérer le fa vers fa dièse. Donc ça fait la do fa dièse. La do fa dièse, c'est donc un accord 3 plus 6, c'est un renversement de fa dièse la do. Et le fa dièse, donc c'est un quatrième degré dit altéré en do. Le quatrième degré étant fa, quatrième degré fa dièse. Et en même temps, on va avoir l'altération descendante du sixième degré, le La, vers La bémol. Voilà, qu'on entend souvent sur Mozart. Hein. Voilà, donc ce quatrième degré altéré même avec La bémol descendant et Fa montant ici sur le fa dièse. Donc deux altérations, double altération. Après, ce qu'on entend par italienne, allemande et ça, c'est des dérivés de cet accord. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir que la do fa dièse ou la bémol do fa dièse qui va sur sol. Ça permet une double approche chromatique du sol. Tu le vois ici. Et puis, je crois que c'est la sixte française qui va rajouter le ré au milieu. Au lieu de la do fa dièse, la do ré fa dièse ou la bémol do ré fa dièse. Voilà, il s'agit de ça en fait sur ces sixtes hein, qui sont allemandes, italiennes ou françaises. Mais enfin, c'est à peu près le même accord, mais avec des altérations, des notes différentes à l'intérieur. Voilà, donc retenez en tout cas quatrième degré élevé et sixième degré d'une tonalité abaissée. Et les deux nous permettent d'approcher le sol qui est la dominante par mouvement contraire et chromatique, c'est-à-dire demi-ton, hein, comme ça. Voilà ce qu'on appelle. Obisraël, quelle est la différence entre le swing et le shuffle ? Je ne vois pas tellement de différence. Le swing, c'est disons, le ternaire général hein, qu'on trouve dans le jazz qui est né à peu près donc, dans les années 30, hein, avec Duke Ellington notamment. Hein, c'est l'âge d'or du swing, hein, bien sûr, les années 30. Et le shuffle, eh ben, c'est souvent un terme utilisé donc, par les batteurs, hein, avec cette... disons cette cymbale ou cette cymbale Charleston hein, qui fait voilà c'est ça le shuffle hein, donc c'est proche du swing de toute façon c'est ternaire dans les deux cas hein. Rastaman, le jeu en miroir pourrais-tu en parler ? Ça dépend, il faut que tu me précises ce que tu appelles le jeu en miroir. Je sais qu'il y a sur YouTube il y a un tutoriel du moins une masterclass de Chick Corea justement qui parle des miroirs et qui dit que
En fait, dans la musique, on peut travailler les choses tout en miroir, c'est-à-dire en symétrie, hein. Et il dit qu'effectivement, tout le corps est symétrique, on le voit ici, avec le nez, les yeux, effectivement, tout est symétrique, c'est-à-dire tout est en miroir finalement, y compris les mains, si vous regardez vos mains comme ça, c'est un miroir évidemment qui est placé ici, donc verticalement entre les deux mains, hein, d'accord? Et il travaille comme ça sur, il dit effectivement que voilà, on peut travailler des exercices souvent en miroir également, comme ça par exemple. Voilà, par écartement, par des mouvements contraires. Et donc il travaille ces exercices comme ça. Et il dit effectivement que dans l'octave, ici, l'octave est divisée en deux parties égales si on met un fa dièse au départ, c'est-à-dire au milieu, c'est-à-dire le triton ici, d'accord? Ça et ça, tu vois, on voit que ici on a un miroir aussi, voilà, entre les deux, avec ce fa dièse, ce triton, hein, 1, 2, 3, 3 tons, qui divise donc l'octave en deux. Et de là, on peut. On peut donc développer des exercices comme ça en miroir. Voilà, je pense que c'est de ça qu'on parle. Que penses-tu des instruments virtuels pour piano VST comme Garitan, Concertgrand, Pianotech ou bien Syntogi, Ivory? Ah oui, tu veux dire les sons de piano virtuels. Oui, il y en a qui sont très très bons. Je pourrais pas tous te les donner ici parce que je sais que j'en utilisais un qui était assez bon. Et d'ailleurs, Léo, avec qui on a fait donc un tuto sur la musique de film, donc lui utilise aussi, je ne me souviens plus exactement de la banque de sons, mais qui est un piano assez extraordinaire, un piano virtuel qui est excellent au niveau donc de la sonorité, voilà, avec des échantillons de grande qualité. Mais voilà, les autres, Garitan, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Pianotech, je ne le connais pas. Et Syntogi, effectivement, Ivory. Je ne peux pas t'en parler exactement. Je ne peux pas parce que je ne les connais pas assez. D'accord? Voilà, il remplace ces sonorités internes. Oui, c'est surtout des sons de piano qui sont échantillonnés sur de grands pianos à queue. Hein, voilà, donc effectivement, ça donne des sonorités de qualité, des sonorités de piano de qualité. Voilà, mais il n'y a pas que la sonorité, hein, dans un son de piano, il y a aussi le toucher évidemment, et souvent ce toucher-là qu'on a sur les pianos acoustiques, on ne le retrouve pas. À l'exception peut-être d'un immense piano numérique, qui n'est pas tout à fait un piano numérique, mais un vrai piano acoustique dans une valise, ce que j'avais fait sur le tuto avec celui qu'il avait créé, donc Chakib, et qui avait créé effectivement ce piano extraordinaire, hein, dont j'ai fait un tuto. Donc. Voilà, donc ça je vous le recommande aussi. C'est un piano, mais qui coûte effectivement un prix, un certain prix, et qui est réservé en général aux professionnels, hein. Moi je pense que c'est ça. Voilà, donc vous pouvez voir ce tuto là que j'avais fait sur le piano numérique, vraiment un excellent. Mais disons que c'est un piano hybride. Pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est entre le numérique, mais également et l'acoustique de haute qualité, puisque ils ont échantillonné ce piano donc sur un grand piano Steinway D, donc le grand que concert là, etc. Et là, c'est vraiment une très très bonne qualité et de sonorité et de toucher également, hein, d'accord? Donc voilà, je vous conseille aussi d'écouter un petit peu ce piano numérique assez extraordinaire, hein, voilà, parce qu'il est un petit peu à part. Pour moi, je ne le considère pas comme un piano numérique, mais vraiment comme un grand piano acoustique, donc que l'on a, pliable d'ailleurs, pliable et qu'on peut mettre dans une valise et emporter partout. Donc réservé, à mon avis, à certains concertistes qui peuvent travailler le piano avec une qualité de toucher, de sonorité, n'importe où, dans une chambre d'hôtel, sur la plage, en plus avec une autonomie de 12 heures, je crois. Autonomie donc de batterie de 12 heures. Donc voilà, c'est un très grand piano numérique parce que bon, il se branche, mais voilà, en même temps, c'est un piano vraiment d'une qualité acoustique assez extraordinaire. En harmonie négative, je renverse des notes avec un axe de symétrie entre mi bémol et mi, oui, si je joue en do majeur. Mais ré dorien, par exemple, je dois prendre l'axe fa dièse ou garder l'axe mi bémol mi. Non, il faut garder l'axe mi bémol mi toujours. Oui, c'est un axe qui est pris comme ça par défaut et c'est celui qu'il faut garder, effectivement. D'accord? Tu gardes l'axe que j'ai mis dans ce tutoriel d'ailleurs, hein, ce même axe. Je crois que c'était mi bémol mi, oui, effectivement. Rastaman, merci, c'est bien ça, bah, je t'en prie.
Samira, le jazz utilise les mesures combinées. Le jazz utilise les mesures combinées. Combinées, c'est-à-dire, Samira, mesures simples, mesures composées, oui, probablement aussi. Comme la musique classique, exactement. C'est le feeling qui change simplement dans le swing. Hein. Le swing est un ternaire, mais ce n'est pas un ternaire classique, on l'a vu, avec les accentuations, les phrasés, etc., qui sont propres au jazz un petit peu. Les gestes également, hein, puisqu'on a toujours dit que c'est le geste qui fait le son sur un clavier. Hein. Old Jazz, bonsoir Yves, as-tu une technique pour apprendre à faire des notes doublées au pouce et annulaire, tu veux dire, en même temps? Désolé si ma question n'est pas claire. Une technique pour apprendre à faire des notes doublées, pouce comme ça? Tu veux dire en octave, c'est ça? Ou en trémolo? Oui, il y a plusieurs techniques, hein. Il y a les appoggiatures. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu parles, hein, Old Jazz. Avec des trémolos, etc. Oui, ben voilà, ce sont des techniques d'ailleurs utilisées dans le piano jazz, et avec notamment les improvisations en octave, comme on vient de le voir, ou des trémolos, etc. Oui, tout à fait, entre le pouce et l'annulaire, le petit doigt, évidemment. Abel, pour avoir un petit studio de maison, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour commencer? Alors Abel, je vais faire un tuto là-dessus. Je vais faire un tuto parce que on me l'a demandé souvent, c'est-à-dire comment monter un petit peu son home studio et pour pouvoir faire ses propres musiques, ses arrangements, etc. Donc on va faire un tuto simple comme ça avec évidemment le matériel de base qu'il faut pour pouvoir jouer, enregistrer, arranger, etc. et composer bien sûr. Je le ferai. Alors c'est un peu long, Abel, je ne vais pas le faire ici ce soir, je vais quand même répondre aux autres questions. Mais voilà, je pense sérieusement à faire un tutoriel justement sur le comment monter en fait son home studio, donc à domicile par définition. Et ce qui vous permettra évidemment de composer, d'arranger, d'enregistrer même vos propres musiques. Voilà. Au Israël, les appoggiatures ne débutent que sur les notes descendantes? Non, 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 pas du tout. Une appoggiature peut être inférieure, hein, comme ça, par exemple, ou supérieure. Elle peut être par demi-ton ou par ton. D'accord? Voilà, appoggiature. Ouais. Voilà, elle peut être double aussi. Ça va? Voilà, des glissés en fait, ce sont des petits glissés, des petites appoggiatures comme ça, qui peuvent être inférieures, supérieures, par demi-ton ou par ton. Ob Israël, je viens de répondre à cette question. Fabrice, bonsoir, merci pour les explications, je t'en prie. Oui, je parle du Phoenix, oui, ce fameux piano Phoenix, qui vaut quand même dans les 10-12 000 euros, hein, mais qui est un piano professionnel, voilà, destiné à mon avis à des professionnels, puisque beaucoup de jazzmen et de musiciens classiques, de pianistes classiques l'ont déjà acquis, justement dans leurs déplacements, puisque c'est sur voilà, c'est un piano qui se plie, qui est sur dans un fly case sur roulette, etc., et qu'on peut emmener comme une valise, voilà. Et son créateur, donc Shakib, que je connais très bien, m'avait dit effectivement que ça n'est pas vraiment un piano numérique, mais c'est un piano, un grand piano acoustique, donc de la sonorité d'un Steinway D, et qui est pliable et qui est transportable dans une valise, voilà, avec une très très grande autonomie, et puis une qualité sonore et de toucher quand même assez exceptionnelle, qui sort bien évidemment donc des pianos numériques qu'on a l'habitude de trouver sur le marché. Hein. Himmler, Nicolas, bonsoir. Que devrais-je savoir pour transformer une œuvre classique en jazz? Oui, vice versa. Alors ça, c'est un exercice assez intéressant d'ailleurs, Nicolas, de jouer. Par exemple, j'ai un ami qui a fait ça. Il avait fait un album entièrement dédié avec des œuvres de Chopin d'ailleurs, mais en jazz. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas grand-chose à savoir. C'est simplement au feeling. C'est un, disons, une aptitude à pouvoir entendre une mélodie, quel que soit son style, et pouvoir la transformer dans un autre style. Pour moi, c'est de la variation. Et c'est une variation qu'on peut faire comme ça en direct. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de méthode, mais ton oreille certainement joue un grand rôle, hein, dans ce type de pratique. Blaise Musella, pourriez-vous prochainement nous faire une vidéo sur le piano bar? Le piano bar, oui, bah pourquoi pas,
Pourquoi pas? Je n'y ai pas pensé jusqu'ici, mais oui, je peux, le piano bar jazz, effectivement. C'est un style de piano assez particulier, donc assez soft finalement, qui, comme son nom l'indique, voilà, est destiné à être joué dans les bars, comme ça, dans les bars, restaurants, etc. Oui, d'accord, j'y pense, c'est une bonne suggestion, Blaise. Snyton, bonsoir tout le monde, bonsoir à toi également. The Messiah, Yves, sur la position des doigts sur un La bémol majeur 7, ma prof me dit là, ça devient du yoga des doigts, mon annulaire droit me fait défaut, comme positionner ses doigts sur cet accord. Alors, j'ai pas bien compris The Messiah la question, mais si, est-ce que à la main droite ou à la main gauche, ton La bémol majeur 7, c'est ça dont tu parles ou à la main droite? Voilà. Donc c'est de doigté hein, dont tu parles, je suppose, non? Alors 5, 3, 2, 1 à la main gauche et 1, 2, 3, 5, l'inverse à la main droite. Je ne vois pas vraiment de difficulté à plaquer cet accord, sauf s'il est dans une autre position que des tierces comme ici, hein. Donc si tu veux, The Messiah, si tu veux préciser ta question, j'essaierai d'y répondre. All jazz, trémolo, oui, le trémolo, bien sûr, très utilisé dans les techniques piano jazz. Thomas, Yves, lorsque je joue et que quelqu'un entre dans la pièce, je perds tous mes moyens. Aurais-tu un petit conseil pour m'éviter? Oui, j'avais fait un tuto, Thomas, hein, là-dessus. J'avais fait un tuto sur, évidemment, le track, puisqu'il s'agit bien de là, du track. Ben, il y a beaucoup de conseils dans ce tuto. Je te conseille de le regarder, de le revoir si tu l'as déjà vu. Mais bien, on parle de concentration, on parle de travail également, c'est-à-dire savoir sa pièce. On parle également. De faire abstraction de tout ce qui existe autour lorsqu'on se met à un piano et qu'on va jouer une pièce musicale. C'est-à-dire, c'est comme si plus rien n'existait autour et qu'il y ait une personne ou 10 000 personnes, ça doit être le même résultat. C'est-à-dire que toi, tu dois être concentré évidemment sur ce que tu fais et ta concentration ne doit pas aller ailleurs. C'est-à-dire, tout ce qui est autour n'existe plus. Voilà, on rentre dans un autre univers, l'univers de la musique et même dans un autre temps musical, hein. Voilà, le temps musical, le temps de ton morceau et son style même, voilà, sort un petit peu du temps qui se déroule autour de toi à ce moment-là. Voilà. Voilà, alors il y a beaucoup de conseils dans ce tutoriel pour ceux que ça intéresse, hein. Voilà, j'ai fait un tuto aussi sur le track et vous pourriez le revisionner. Voilà, il y a pas mal de conseils. Alors, je ne dis pas qu'on peut le supprimer totalement parce que tous les artistes, en général, avant de se produire face à un public, quel qu'il soit d'ailleurs, ont le trac. Ils ont le trac, mais chez certaines personnes, ce trac est destructeur, c'est-à-dire qu'il fait courir donc le musicien à la catastrophe. Et puis, dans d'autres cas, au contraire, on transforme un petit peu ce trac en quelque chose de positif et de motivant. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un tuto là-dessus, mais voilà, je te conseille, si tu ne l'as pas encore vu, hein, de le revoir. Et de le voir simplement. Et là, j'ai quelques conseils, pas mal de conseils à donner à ceux qui sont soumis, évidemment, à ce trac qui est parfois gênant. Snyton, Yves, quand on change la gamme de gamme mode à chaque accord, peut-on appeler ça des modulations? Je crois que c'est une question qui avait déjà été posée, Snyton, mais non, j'avais répondu, ce ne sont pas des modulations. De passer d'un accord à l'autre dans une grille n'est pas forcément une modulation, hein, d'accord? On peut passer donc d'une gamme, par exemple de Do majeur, à une gamme, un mode par exemple lydien. Et je reviens à Do majeur. Ce n'est pas une modulation, c'est simplement un changement de couleur ici dans l'improvisation, puisque je change de gamme, je change de mode, donc on ne module pas forcément. Je reste ici en Do, puisque mon accord est le même à la main gauche. Simplement que sur cet accord de Do mi sol si, hein, de Do majeur 7, ben je vais donner des couleurs différentes. Par exemple, pentatonique, hein, ou alors, ou avec le fa dièse, le lydien, hein, ou le ionien. Voilà, simplement. Donc on change de couleur, mais on ne change pas de tonalité pour autant. Adito, bonsoir Yves. Est-ce que tu connais les exercices proposés par Oscar Peterson? Alors là, tu me le jettes à la figure, un énorme musicien, un géant, hein, de toute l'histoire du jazz, Oscar Peterson.
Et je ne connais pas ces exercices personnellement, mais je veux dire, ça doit être évidemment toujours très très bon. Donc voilà, Oscar Peterson, c'est un des techniciens du piano jazz qui possède une technique vraiment assez incroyable, qui possédait, parce que malheureusement, ils nous ont quittés il y a quelques années. Mais Oscar Peterson, voilà, c'est un des géants du jazz et de la technique pianistique. Donc, si tu connais ces exercices, oui, ça ne peut être que très bon. Voilà. Obisraël, Yves, que signifie glisse entre les figures de notes? Glisse et glissando. Glissando entre deux notes. Alors, soit un glissé comme ça sur les touches blanches ou en pentatonique sur les touches noires. D'accord? Soit un glissé chromatique. Tu vois, un glissé parce que là on passe par tous les demi-tons, par exemple, un glissé chromatique. Ou alors s'il s'agit d'un violon, par exemple, hein, d'un violon, à ce moment-là, il n'y a pas de le manche et il n'y a pas de frette. Hein, donc effectivement, on peut glisser de façon tout à fait régulière, comme ça, d'une note à l'autre. Voilà ce que c'est le glisse. Salut Gaston, bienvenue. Je messia, oui, main droite, le doigté, mon annulaire touche le fa dièse, comme ça. Oui, et donc quelle est la difficulté de Messia? Il n'y a pas de difficulté, ça 1, 2, 3, 5, c'est ça? Où est la difficulté? Tu parlais de yoga tout à l'heure, je ne sais pas. Tu vas m'expliquer peut-être si c'est dans une autre position peut-être. Coltrane, si je résonne en me disant que je fais Do 7 plus. Plus Ré mineur, au fond, c'est un Do 7. Alors, Do 7 à la main gauche, tu veux dire? Plus un Ré mineur, c'est ça? Do 7, 9, 11, 13. Alors, oui, alors normalement, si tu veux, ça fait partie des extensions. Do, Mi, Sol, Si bémol, l'accord Do 7 à la base. Le Ré étant la neuvième. Alors, on garde pas le Fa normal. On ne garde pas le Fa normal parce qu'il accroche avec le Mi, la tierce ici. Donc, on l'augmente Fa dièse, hein, d'accord? Pour la onzième. Donc ça serait 9 plutôt dièse 11, dièse 11 et 13, la 13e ici ou la sixte. Donc tous les accords à tierce majeure, il faut augmenter ici la 11e, la quarte, hein, d'un demi-ton au-dessus. D'accord? Voilà, donc oui, c'est de la bitonalité. On peut dire qu'on a un Do 7 ici aussi et puis un accord au-dessus de Ré majeur. Ré majeur, donc accord tout à fait parfait majeur. Blest, quels sont les accords les plus utilisés au piano jazz? Pouvez-vous me faire une démonstration? Alors, il n'y a pas d'accords plus utilisés que d'autres. Dans le tuto que je prépare, je dis bien qu'effectivement, il faut connaître les quatre accords donc à trois sons, majeur, mineur, diminué, augmenté. Il faut connaître les six natures d'accords donc à quatre sons, c'est-à-dire les accords de septième, par exemple Do majeur 7, Do mineur 7. Do dominante, Do demi-diminué, Do diminué et Do sus 4. Voilà, ces six accords, et ceci dans toutes les tonalités, d'accord? Ensuite, il y a les enrichissements, on l'a vu, 9, 11, 13, d'accord? Et puis, il y a aussi les positions d'accords, donc en tierce, en quarte, en cluster. Voilà, tout ça fait partie de l'harmonie de jazz. Hein. Ce sont les accords que tu vas enchaîner ensuite dans des progressions harmoniques, dans des progressions d'accords, dans des grilles d'accords. Donc il n'y a pas d'accords plus utilisés que d'autres. Il faut connaître tous ces accords sur toutes les tonalités et dans toutes les positions avec les enrichissements et les renversements. Hein. Très important les renversements. Il faut savoir renverser puisque l'accompagnement piano jazz, en général, si tu accompagnes à la main gauche seule, voilà, on essaie d'utiliser des renversements hein, pour garder une proximité entre les accords et ne pas sauter trop loin d'un accord à l'autre. Hein. Tu vois? Si j'ai répondu à ta question, Jean-Marie, j'apprends des morceaux en ne regardant que la partition. Comment faire pour jouer sans la regarder? Ben, le par cœur, Jean-Marie, il faut l'apprendre par cœur. Voilà. Apprendre par cœur, ça permet de te concentrer sur ce que tu joues et surtout d'amener de la musicalité à ce que tu joues. Voilà, donc ça, oui, le par cœur est assez intéressant aussi. Voilà. Guillaume, salut, bienvenue Guillaume Sens. Snyton, je trouve les positions des doigts difficiles sur les accords 7 premier renversement et aussi un troisième renversement. Oui, regarde si je prends Do majeur 5, 3, 2, 1.
Je renverse 5-3-2-1 aussi. Deuxième renversement, sol, si, do, mi, 5-3-2-1. Tu vois, ça change pas beaucoup. Et sur le troisième renversement, par contre, je mets 5-4. Voilà, parce que les deux notes sont assez proches. Et 2-1 ici. Voilà, à la main gauche en tout cas. Yves, j'ai remarqué que lorsqu'on fait un accord enrichi, il est composé de deux accords simples. Do7 suivi de Ré. Oui, puisque les enrichissements 9, 11, 13, souvent, sont des accords soit majeurs, soit mineurs, soit diminués à la main droite. Donc on a un genre de bitonalité. Bitonalité, ça veut dire qu'on superpose en fait deux accords. Hein. On superpose donc l'accord à la main gauche, l'accord de septième par exemple, et un triade à la main droite, c'est-à-dire un accord à trois sons. Hein. Et donc là, on a une bitonalité. Bitonalité, ça veut dire qu'il y a deux tonalités qui sont superposées. Et donc ce que tu mets à la main droite, ces accords parfaits, sont en même temps la neuvième, la onzième et la treizième de ton accord de base à la main gauche. Hein. The Messiah, peut-être que le fait d'avoir des mains plus petites, il existe plus de difficultés à faire certains accords. Oui, certainement, ça dépend aussi de la position, si tu es au bord des touches ou si tu es plus... Parfois, il y a des positions d'accords où on a besoin d'avancer un petit peu plus en profondeur vers le fond du clavier pour pouvoir les réaliser, hein, d'accord ? Et puis d'autres, lorsque c'est très écarté, c'est-à-dire que les écarts, hein, par exemple ça... Do, Sol, Mi, tu vois, accord de dixième, hein, au lieu de Do, Mi, Sol, tu fais Do, Sol, Mi. Et là, effectivement, je suis au bord des touches, voilà, pour pouvoir les faire. Voilà, ça permet. Et si vraiment tu ne peux pas les faire, il faut les arpéger. Voilà, rapidement, comme ça, d'accord. Glody Yves, quelles sont les cadences ou enchaînements d'accords les plus utilisés en jazz? Eh bien, c'est exactement les cadences qu'on utilise dans la musique classique. Le 5-1, le 4-1, le 5-6... Le 4-1 aussi, je l'ai dit, je crois, dans le gospel, par exemple, 5-1 également, 5-1, soit cadence parfaite, soit cadence imparfaite lorsque l'un des deux accords 5-1 est sous forme de renversement, etc. Ce sont les mêmes cadences, parce que le jazz est tonal, Glody, donc il utilise la tonalité comme dans la musique classique. Alors, 9e, 11e, 13e, partant du postulat que nous n'avons pas 20 doigts, y a-t-il des notes que nous ne pouvons pas jouer? Oui, tout à fait. Si y a une basse qui joue avec toi, tu n'as pas besoin de jouer d'une part la fondamentale. Par exemple, sur Do majeur, ici, il y a des positions qui te permettent, évidemment, si c'est qu'une main gauche, hein, à deux mains, c'est différent. Mais à la main gauche, oui, on fait des choix. Tout à fait, on fait des choix de... Par exemple, si je suis en Do majeur, en quarte, mi l'arrêt. Voilà, Do majeur, mi l'arrêt. Ben, je fais le choix ici d'avoir la tierce, parce que c'est le mode, elle donne le mode, hein, majeur. Le La qui peut être la 6 ou la 13e, d'accord, et puis le Ré qui est la 9e. Tu vois, je fais des choix. Je ne mets pas la quinte, le Sol. Je ne mets pas la fondamentale parce qu'elle va être jouée par une basse ici. Et puis je ne mets pas la 7e. Mais on peut rajouter la 7e aussi. Hein. Voilà. 3, 6, 7, 9. Voilà. En général, la quinte juste, je la supprime. La quinte juste, la fondamentale, s'il y a une contrebasse qui accompagne, ou bien à ce moment-là, on frappe la basse d'abord, et puis après, on joue l'accord. Donc il y a plusieurs façons au piano de surmonter ce petit problème-là. Nicolas, les accords que tu viens de décrire pour le jazz sont-ils importants pour le piano classique? Alors, les accords sont très enrichis dans le jazz, ils font partie d'un style jazz donc, et qui n'est pas le style classique, évidemment. Par contre, le style classique, souvent, peut avoir aussi des enrichissements assez importants, notamment, non pas par des accords pris en tant qu'accords, comme 9e, 11e, 13e, tu vois, mais par des notes mélodiques. Souvent, ce sont des notes mélodiques qui vont donner ces sonorités. Donc, dans la musique classique, les 9e, 11e, 13e n'existent pratiquement pas, hein, dans le 17e, 18e siècle. 19e même, il faut attendre vraiment le 20e siècle avec Debussy par exemple qui prend les accords en tant que tel avec ses enrichissements. Mais sinon avant, l'époque baroque 17e, classique 18e, romantique 19e siècle, eh ben, ce sont les notes mélodiques qui vont donner tous ces enrichissements mais qui passent en mélodie et non pas en tant qu'accord en tant que tel. Snyton, merci Yves. F7 ou C7, troisième renversement, quel doigté? Ben, le même que pour Do7, troisième renversement, j'ai dit 5, 4, 2, 1 à la main gauche. Hein, 5, 4, 2, 1 pour le troisième renversement. Même chose pour Fa7.
Jean-Marie, apprendre par cœur une partition de plusieurs pages est difficile. Y a-t-il une astuce? Oui, si c'est une pièce du répertoire, c'est d'abord de l'écouter beaucoup. L'écouter beaucoup, ça permet aux oreilles de le mémoriser déjà, hein. Et la deuxième chose, c'est de procéder par étapes. Par étapes, ça dépend de tes capacités, mais on peut évidemment commencer par une mesure après l'autre. J'apprends une mesure, j'apprends la suivante ensuite, je les enchaîne, puis une troisième ensuite, et une quatrième, etc. Et comme ça. Ou alors apprendre une page par cœur, et essayer de l'enchaîner. Voilà. Mais en tout cas, y aller par étapes, hein, Jean-Marie. Glody, Yves, quand on joue la gamme blues en do majeur, le fait d'utiliser la gamme pentatonique mineure avec le fa dièse, ça change aussi de tonalité. Alors attends, une gamme blues en do majeur, c'est ça. D'accord. Et tu me parles de pentatonique mineure, c'est-à-dire ça. Alors, la gamme blues et la pentatonique mineure sont très proches, mais dans la gamme blues, il y a le fa dièse, dans la gamme pentatonique, non. Donc, le fa dièse que tu dis donc dans la gamme blues de do, ça n'est qu'une note de passage. Hein. Ce n'est qu'une note de passage et non pas une note de l'accord. Fa, fa dièse, sol. Le fa dièse est passage entre le fa et le sol. D'accord? Donc ça compte pas comme une note réelle. Ça compte comme une note passage chromatique. Chromatique, ça veut dire par demi-ton, hein, comme ça. D'accord? Voilà. D'accord? Abel, est-ce qu'un pianiste doit forcément savoir chanter? Non, pas forcément. Non, s'il est pianiste, il peut être chanteur ou pas. Il y a pas de souci hein, de ça. Par contre, il faut qu'il ait une bonne oreille. Et tous les instrumentistes devraient avoir une excellente oreille. Et pour travailler l'oreille, c'est long, c'est lent, mais voilà, il faut s'entraîner tous les jours. Hein, des dictées musicales, et essayer de reproduire des choses que vous entendez sur votre clavier, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on développe l'oreille musicale. Et généralement, on commence par les intervalles, Abel. Hein, il faut reconnaître tous les intervalles, les quintes, les sixtes, avec leur qualité. Hein, mineur, majeur, juste, augmenté, diminué. Voilà, ça. On commence par là, voilà. Mais l'oreille ne concerne pas que les intervalles mélodiques, il concerne aussi les accords. Il faut savoir reconnaître des accords à l'oreille, mais aussi, par exemple, reconnaître des rythmes à l'oreille. Est-ce que ce sont des rythmes binaires, des rythmes ternaires? Tout ça fait partie de ce qu'on appelle les dictées musicales et qui vous permettent d'écrire ou de reconnaître simplement à l'audition, voilà, des intervalles, des accords, des rythmes, voilà, etc. Riyad As-Saline, bonsoir. J'aimerais commencer le piano, mais je ne sais pas par où et à quoi commencer. Écoute, Riyad, j'ai sur la chaîne Musique Classroom pas mal, j'ai une playlist hein, avec piano débutant, hein, donc tu pourrais voir toutes ces vidéos, ça t'aiderait certainement, hein, je pense. Voilà, donc retourne sur la chaîne, va sur la playlist. Piano débutant, hein, et puis tu vas voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont te donner quand même certaines bases. D'accord? Manade, tu connais le clavier Mellotron et toutes les merveilleuses chansons qu'il a permis de composer. Oui, j'ai entendu parler du clavier, j'en ai jamais eu de Mellotron, mais effectivement, oui, c'est des claviers qui sont riches en sonorités et qui permettent évidemment de composer, et bien sûr, tout à fait. Voilà, Obisraël, Yves, quelles sont les progressions d'accords les plus utilisées en jazz? Alors, il y en a pas mal, hein, par exemple le 1, 4, 5 dans le blues, l'anatole, 1, 6, 2, 5. Tu vois, il y a beaucoup, le 2, 5, 1, le 4, 5, 1, etc. Voilà, il y a beaucoup de progressions d'accords qui sont rentrées dans le standard, évidemment. Et donc, voilà, d'accord, qui nous permettent, qui sont rentrés comme des standards, c'est-à-dire qui ont fait l'objet, évidemment, d'énormément de mélodies et de compositions. Voilà, il faut les connaître. J'en parle d'ailleurs dans le DVD Piano Jazz 1 qu'il y a sur le shop. Vous pouvez aussi l'avoir, vous le procurer parce qu'il est complet de débutant à avancé. Donc, je vous le recommande aussi. Nicolas, Yves, la chaîne YouTube est-elle bien adaptée pour apprendre à jouer du piano pour de la musique classique? Oui, la chaîne, je ne fais jamais de différence entre les styles. La musique, c'est la musique, pour moi, c'est un seul. J'ai une formation moi-même classique, jazz, musique de film, etc. Donc, chansons aussi, bien sûr, puisque j'ai fait beaucoup de chansons depuis ces 20-30 dernières années. Donc, la musique, c'est une chose, voilà. Par contre, la théorie de la musique est la même lorsqu'on parle de musique tonale, c'est la même pour la musique classique et pour toutes les autres types de musique, à l'exception des musiques extra-occidentales, la musique indienne notamment, la musique orientale, qui souvent est basée sur des échelles, quarts de ton, etc., qui ne fait pas partie du système tel qu'on le connaît ici.
Est-ce qu'un pianiste, Abel, doit forcément savoir chanter? Ça, je... De Messia, merci beaucoup pour ton don. J'apprécie énormément. Merci. Ça permet à la chaîne de continuer, mais c'est le geste qui compte et je l'apprécie. Merci beaucoup. Voilà, je pense que on va arrêter là. Thomas, y a-t-il une dernière question? Un apprentissage particulier pour devenir bon en piano d'accompagnement? Oui, c'est commencer d'abord par les accords. Thomas, la connaissance de tous ces accords dont je vais parler dans le tuto que je prépare là. Ensuite, la connaissance des enchaînements d'accords, c'est-à-dire comment enchaîner les accords, c'est-à-dire ça, c'est l'harmonie, évidemment. Et ensuite, d'apprendre les techniques d'accompagnement qui sont propres cette fois-ci au clavier. Hein, d'accord? Il y a beaucoup de les accords, les arpèges, les choses comme ça, qui sont vraiment propres au piano. Hein. Yves, y a-t-il... Voilà, Thomas, je crois que j'ai répondu. Schneider, voilà. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Je vais vous donner rendez-vous à mardi prochain, 19h toujours, et puis j'annoncerai donc le sujet quelques jours avant, donc sous l'onglet Communauté de la chaîne. N'hésitez pas à m'en suggérer, de me suggérer évidemment des sujets également. Je les vois, je les considère aussi, j'en prends compte. Et puis, voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. Essayez donc de bien travailler et puis de vous porter bien. Et je vous donne rendez-vous donc à mardi prochain, 19h, pour un nouveau live. Salut!